Coucou YouTube, tu veux voir une game sans le son à plus de 20 kills gagnée? C'est ici. Ouais, je sais, chat, j'ai pas de plaque. Et c'est justement pour ça que je vous prouvais que le son, c'est pas si important que ça quand t'es trop fort, tu vois. Le son, c'est une partie du jeu, certes, mais c'est pas la partie, on va dire, la plus importante. Là, je suis en train de prouver à tous les gens qui jouaient cachés, qui montaient l'escalier en scred, qui jouaient sans communiquer parce qu'ils faisaient trop de bruit. Je suis en train de leur montrer que c'est normal de jouer comme ça. Là, je me doute qu'il y a quelqu'un, mais je sais pas où il est. Donc d'une seconde à l'autre, tu tombes dessus. Et mine de rien, ça t'aiguise les réflexes un peu de jeu comme ça. Touria. Merci. Oh, il y a un mec qui est mort apparemment. Oh. Ouf. Il m'a fait du mal, lui. Je sais pas ce que c'était son arme, mais... Elle est belle. Pas belle. Lui, ça se voit que c'est un Slayer, là, le mec qui vient de passer avec sa voiture. Ça se voit que c'est le grand méchant loup. Quoi ? Ah, j'ai pas foutu Alpini sur cette classe de con. La prochaine partie sans image. Top 1 à l'aveugle, bye ciao. Ok, il y en a un à la gauche, un autre. Il y en a deux à gauche, un à droite. Donc là, on va la jouer tranquille. Lui, je crois qu'il est en train de passer par en dessous. Ouais, voilà. Lui, il est en train de nager, il va peut-être monter par l'échelle. Pas par l'échelle. C'est lui, là, non? Je vois rien. Je sais pas ce qui m'est passé devant, mais je voyais plus rien. Ok. Oh merde. Oh oui. Quand tu push comme ça, tu sais pas si le mec s'est enfui, si s'est pas enfui. Là par exemple, j'aurais pu savoir qu'il y avait une grenade qui était partie. Mais vu que j'ai pas de son, tu penses que j'ai entendu la moindre chose. Et du coup, ça me pousse à slay tout ce qui bouge. Il vient de se faire bombarder le ref là. Ok, je crois qu'il y a personne. C'est un faux, oui. Cette info était plus qu'incertaine. Là, j'essaie de trouver un méchant histoire de lui couper la rotation. Tiens. Vous avez vu lui là-bas?
va lui mettre une frappe là, il y a moyen que ça l'intercepte. Oh là là, oh là là. Vous avez combien de vie, monsieur? Peut-être que cette grenade... Oh, y a pas un monde. Et puis, de jouer sans son, ça te réaiguise un peu l'instinct, tu vois. Tu te dis, mais attends... Comment il a fait pour savoir qu'un mec en parachute tombait? S'il est pas là, c'est-à-dire qu'il est parti full droite. Apparemment, il y a un sniper. Et je continue de le slay. En même temps, je vois qu'il y a un bateau. Ok. Il est caché juste derrière ça, le bateau. Le monsieur, chat. Là, il va pas rester trop longtemps, c'est inquiétant d'être dans l'eau, je pense. Parce qu'à Paris, il va rester la plombe, ça va me faire chier. On va le chercher, les gars. Merde! Cette espèce d'énorme merde, il est passé où? Alors, je sais pas comment t'as fait ça. Oh, wesh. Je ne sais pas comment ce joueur m'a fait ce tour de magie. Les flanques, il est parti par là-bas. Ok, chat. Ok. I understand. L'ennemi a perdu votre trace. Ça en train de se foutre sur la gueule apparemment ici, je sais avoir une info. Pas d'info. Des pièges un peu. On a besoin de reconnaissance. Putain, il s'est enfui. Il a mis une smoke, le bonhomme, il court. Merde. Mais c'est pas possible de faire que courir comme ça, gros. Le drone n'a plus de carburant. Retour à la base. Je pense qu'elle est pas mal, celle-là. Ok. Ça scope devant, ça scope derrière. Quand c'est comme ça, tu t'envoies une petite smoke au pied. Hop. Tout se passe pour le mieux pour le moment, chat. Merci Holmes pour le sub. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh merde. Là, c'est risqué ce que je suis en train de faire parce que s'il se positionne bien et que je prends une tête instant. Oh là. Vous avez vu? C'est exactement ce qui pouvait se passer. Là, pareil, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Là, c'est vraiment le joueur de merde, tu vois, le joueur qui reste caché, etc. Le The Rat, comme on l'appelle. On est en train de jouer comme Véronique, chat. Véronique sans le son. Ah, j'ai vu une ombre de parachute. Ok, j'ai l'info. Où est-ce qu'il va? Il va à l'entrée de la grotte. On va aller voir. Rien. Ah, là, c'est quand même bien guépié. Ok. Wow. Là il se passe des trucs. Oh, là il se passe des trucs intéressants. Et le tout dans une smoke sans... avec Véronique. Allez. Joli fight. On est à 18 kills, il y a moyen de taper une 20 sans le son du jeu, les gars. Là, je cours un peu partout, bien en open pour essayer de trouver des gens. Hop, je les craque très très rapidement.
On met la pression directe avec une grenade par la droite, on décale à gauche, on recraque, on remet une pression à droite, tout en décalant par la gauche, bam, explose. C'est pour ça que les Syntex, c'est très très bien en solo, tu vois, ça aide vraiment à avoir des fights faciles et à gagner du temps. Alors je l'ai vu, le mec sur la maxi hauteur. Ok. Esquive. Décale. Il y a beaucoup de balles qui passent. J'ai beaucoup de pertes de balles. J'ai 3 smokes. On va renouveler un peu. Je sais pas pourquoi les balles passent à travers au bout d'un moment. J'ai pas l'impression de bouger mon viseur, mais... Alors, il court. Je me mets une smoke au cas où il me bute. C'est hallucinant. Je tirerais exactement la même chose sur moi, il en faudrait 2 fois moins. Ok, je suis en 1v1 final, le dernier joueur est là-bas. Là, je suis en 1v1 final, je commets pas d'erreur. Je suis accroupi en décale par la gauche pour punir instantanément dès qu'il va dépasser d'ici. Et quand j'ai envie de regarder à droite, je me relève. Je m'accroupis, histoire vraiment d'avoir des lignes extrêmement cassées et de lui mettre un peu la pression. J'envoie une smoke à droite pour lui faire croire que je push par la droite. Peut-être qu'il va décaler à gauche. C'est une erreur, c'est l'erreur la plus courante, on va dire. Je me décale en gardant une position head glitch. Le muret. J'ai pas d'infos. Si on tire, on tire. Ok. On vient de le knock. On va le laisser se relever. Et lui laisser une chance de gagner son fight. En ce temps, nous, on va prendre une autre position, tu vois. Je vais reculer un peu sur cette hauteur, histoire d'être head glitch, mais par rapport à cette benne. Par rapport à cette benne, on va prendre nos décales. Je sais qu'il va probablement arriver là par la droite. Gauche. Il m'a mis un beau spray et j'ai perdu une demi-plaque. Là, il avance accroupi, donc je ne le vois pas. Je fais comme ça, décale rapide. C'est GG. Voilà comment gagner une game sans son, chat.